Ça va? Jusque là, ça va. Kilomètre 9. Pour l'instant, je suis dans mon timing. Je respecte le chrono. Je suis bien. Petite douleur au mollet, comme d'hab. Je vais récupérer les manchons tout à l'heure. Ça devrait être mieux. Et voilà. Saint-Grégoire, la brosse. Voilà, je quitte la métropole rennaise pour aller vers la métropole malouine. Allez, sur ce, tu vois, c'est tout. T'es en direct. En direct. Un petit message. Jusque là ça va. Puis il y a mon meilleur kiné qui est là, ça se peut caler. Super Erwan qui est là. Pour l'instant ça va. Et douleur ici, douleur au tendon, mollet, et puis pour l'instant ça va, j'arrive encore à faire le tour. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a plus que 7, 16, 8 et 6. 54 ou 53. Je verrai ça dans quelques jours. J'ai du mal à compter. Kilomètres et demi, 360 km avant la mi-parcours. On commence à tirer dans les quadris, à tirer dans les mollets. Mais bon, je suis dans les clous pour l'instant. Tant que j'ai rien, déjà joué une fois. Mais pas trop de monde. J'ai vu un igloo, un petit hérisson, j'ai vu un sanglier, j'ai vu des renards, des chats. Et puis mes assistants qui sont toujours là. Donc c'est nickel. Tout va bien. C'est beau, mais c'est loin. Allez hop. Encore 40 bornes. Allez. Ciao ciao. Et puis coucou les petits doudous. Ils sont toujours là. Je les vois, ils sont toujours là. Ils ont pas froid, ils rigolent tout le temps. Allez, tchuss. Direct live il file se Facebook. Il file se coucher là. Bon, il vient de faire son lit. Il est en train de faire son lit, il en a marre. Ça va passer de l'autre côté. Hop. Les enfants sont toujours là.
Le boss aussi, il est là-bas. Hein ? Ah ouais, un petit coucou Nicolas. Oh l'athlète. Il est beau le chef. Les beaux t-shirts moche des fois. Là je garde un peu, c'est pour la natation. Pour pas avoir trop. Pour pas avoir trop froid dans l'eau. Pour ça on m'avait dit de garder du gras. Nino Fragale m'a dit garde un peu de gras, ce sera bien pour l'eau. Assistance technique, mon assistance de tous les bons moments qui m'attend ici, c'est Olivia. Donc c'est vrai que ça fait du bien, sur tous les 3-4 km ils sont là et ça me permet de recharger en flotte, de recharger en crème, en pâte d'amande, tout ça. Donc c'est nickel, ça me fait bien plaisir d'avoir du monde derrière. Les deux stars qui m'accompagnent tout le temps. Les assistants sont là. Les assistants sont dans la place. Allez Nicolas, faut que je vous éclaire quand vous voyez. Bon allez. Bravo! Bravo les gars! Alors? Vivement que ça se termine. Allez, se faire beau. Tu es proche de la fin. Thank you.
fini, chef? Pour la première épreuve. Facile et fait. Tu te sens comment? Regarde ça, tu peux admirer tout ça. Ça vaut le coup, non? Terminé, mais voilà enfin sur cette putain de plage de Bonsoir. Et demain c'est Cézanne, Villago, les Ébillins, Saint-Caldildo, que 20 km. Ça fera un quart de ce que je fais là. Un niveau temps, ça me paraît. Alors c'est pas demain par contre, c'est tout à l'heure. Cet après-midi, oui. Merci à toutes et tous pour vos messages, vos soutiens. A tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Allez, au dodo. Direct de Saint-Malo, du port, de la Criée, je sais pas ce qu'il y a. Voilà, dans la série, nous avons des idées de tarés. Nous rejoignons Monsieur Verde, bonjour, bonjour. Bah écoute, après au moins 2h30 de sommeil, je suis frais comme un gardon, mais un gardon dans l'eau de mer, c'est pas top, donc on va bien voir. Donc avec un peu de chance, on va partir pour 10h, l'idéal. Et en fonction, bah, du moins qu'on soit, que Lolo soit 8h chez lui pour les enfants, le reste, c'est rare. Merci encore à toutes et toutes de me suivre, hein, m'encourager. S'il y en a un qui veut nager un kilomètre à ma place, il peut venir, hein, et on verra bien. Et mes assistants vont essayer de vous tenir au courant de l'avancée. Là, on rejoint la plage de Bon Secours et puis après, il va falloir tourner des bras. J'ai pas le droit de garder ça, sinon j'aurais pu applaudir. Mais voilà. Bon allez, tous, à tout à l'heure.
fois, faut nager. C'est ça. Donc là, à fond, on va serrer les lunettes. On va avoir des yeux de merlan pris quand on va sortir de là. En plus, je pars au plein de la mer, c'est-à-dire que j'ai plus à nager que si je suis parti en mer. Bon, bah allez. À dans un moment. Donc, bon, allez, gamin. Bisous. Hein. Tout ça, pas bon là, ça fait une heure que t'as rien bouffé. Gosse. Thank you.
Hello les petits doudous. Bon ben les petits doudous sont secs parce que je les avais oubliés. Mais voilà, je suis déjà rentré parce que j'ai pas les conditions n'étaient pas optimales. La mer était à 16 degrés. Au bout de 2 km, je commence à avoir très froid. Il y avait pas mal de clapots. Enfin, ça c'est pour Fred. Moi le clapot, j'appelle ça des creux d'un mètre. Mais bon, c'était du clapot. Donc je suis allé jusqu'à Sésambre, mais j'ai décidé de stopper à Sésambre. C'était pas mal parce que Fred disait que derrière Sésambre c'était des creux d'un mètre cinquante, donc j'aurais pas pu passer derrière Sésambre comme c'était prévu. Et ensuite j'aurais pas pu passer le chenal parce qu'il y avait trop de courant, donc il aurait fallu de toute façon que je monte un moment dans le bateau pour continuer. Donc c'était plus sérieux de m'arrêter, et puis demain je rajouterai des kilomètres à vélo, ce sera pas plus mal. Là je suis, mais bon, je pense que l'accumulation de la fatigue de la course à pied, plus 2 heures de sommeil qui n'ont pas été très longues, je pense que ça n'a pas aidé. Mais bon, après voilà, c'est les aléas du direct. Bon, ben, je vais me reposer, et puis demain matin, j'en reprends le vélo. Je pense que ce sera un peu plus de 240, hein, peut-être 250, 260 pour arrondir les kilomètres pour arriver au 333, parce qu'il y a les 3 doudous quand même. Donc il faut le 3, donc voilà. Bon, ben, écoutez, je vous remercie pour vos encouragements, vos soutiens, et puis je vous dis à plus tard.
par ce beau temps. On a décidé de reprendre le vélo, rallonger un petit peu 3 km. Par contre, vu les conditions, on retarde de... Ça va faire une petite demi-heure de retard encore sur le circuit. Donc, pour ceux qui doivent m'attendre, comme Anne-Marie, là, à la Trinité Pourouette, je pense que ce sera plus 13h, voire 14h, vu le temps, le vent. Prévu des rafales encore à 60, ça va être compliqué. Mais bon, on va essayer de faire au mieux pour arriver pas trop tard quand même. Enfin, arriver déjà. Donc, bon. Donc, merci bien. Hein. Bon courage à vous. Hein, à prendre votre café. En vous levant, en emmenant les enfants à l'école, et puis en allant regarder la télé, les informations sur internet au boulot. Hein, moi, j'ai décidé d'aller plutôt faire un petit peu de vélo sous la pluie, histoire de raffermir le temps. Hein, donc, allez, à tout à l'heure. Hein. Bye! Thank you.
C'est pas le mur qui est dur, c'est d'après, putain. Les deux ou trois qu'il y avait derrière là. Enculé. Putain, saloperie de boss. C'est bien. 6h30 que je roule. Un peu plus de la moitié de bouchée, en théorie, à 20h. Putain, la vache. Je vais y arriver avant, moi. Bah, j'espère que ça va être mieux sur la fin, là, parce que les boss, ils sont chiens. Mais bon. Bon, bah là, c'est où maintenant? Tout droit. Tout droit, Saint-Gerand. Mais faut prendre les routes où c'est plein, faut pas prendre les routes où ça monte aussi. Qui a fait le tracé là? Je ne lui en parlerai pas. Il a déjà eu le mérite de le faire. Putain, mon Dieu. Voilà. Tiens, mon assistant. Attends, prends un autre. T'en as assez? Hein? T'en as assez? Oh, oui, moi. J'ai de quoi faire. J'aurais dû mettre des demi en fait. Des longues sont chantées. Bon, bah, allez. Qui va venir grossir le triplé déjà présent. Donc il va rester encore une petite centaine de kilomètres. Ça fera 260 pour terminer le défi. Et puis on va aller revoir les petits loulous rennais et puis terminer les 48 heures je pense d'effort physique. Voilà. En quelle heure ça arrive? Je sais pas, 19h, 20h, je sais pas. On verra. Mes GPS me diront ça. Je préfère pas trop le savoir parce que si j'anticipe trop, là il y en a encore pour au moins 6 heures je pense, donc ça va être assez long. Allez, tchuss, à tout à l'heure.
of cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. Hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.